Chapitre 49. La honteuse vénalité des charges. Suite. François Ier, sacré le 25 janvier 1515, ne tarda pas à marcher sur l'Italie comme ses prédécesseurs. En septembre, il écrasa les Suisses près de Marignan. À l'issue de la bataille, le roi manda le seigneur de Bayard, chevalier sans peur et sans reproche, qui s'était battu comme un lion. Il lui dit « Bayard, mon ami, je veux aujourd'hui être fait chevalier par vos mains, parce que le chevalier qui a combattu à pied et à cheval en plus de bataille entre tous autres est tenu et réputé le plus digne chevalier. » François Ier, un genou à terre, fut adoubé. Le chevalier Bayard, relevant son épée, déclara « Sois fier, ô mon épée, d'avoir aujourd'hui conféré l'ordre de la chevalerie à un roi si brave et si puissant. Je te garderai désormais comme une relique, honorée sur toutes les autres, et je ne te porterai plus que contre les Turcs, les Sarrasins ou les Maures. » Loin de s'imaginer que le chevalier qu'il venait d'adouber s'allierait un jour avec les Maures pour combattre des chrétiens, tant une telle chose était en contradiction avec l'esprit de la chevalerie et le rôle du lieutenant du Christ-Roi que le sacre confère au roi de France. En 1516, encore auréolé du prestige de la bataille de Marignan, François Ier fut reconnu comme le véritable maître de l'Église de France par la signature du concordat de Bologne avec le pape Léon X. Le roi de France acquit alors, dans son royaume, un pouvoir sur l'Église dont ne disposa aucun autre souverain catholique. Par rapport à la pragmatique sanction, ce concordat rejetait la prétendue supériorité des conciles sur le pape. Mais le roi de France disposait dès lors des bénéfices ecclésiastiques et accroissait son droit de nommer les évêques. Pour cela, quand une vacance se présentait, il devait les nommer dans les 6 mois. La candidature était ensuite examinée par le pape, qui lui conférait son investiture canonique, lui donnant alors un réel pouvoir de juridiction sur les fidèles de son diocèse. Puis, les nommés prêtaient serment de fidélité au roi, qui leur donnait alors leur investiture temporelle et leur charge. Hélas, d'importantes dérogations en contradiction avec les règles énoncées furent admises par ce concordat, ce qui laissa s'installer de nombreux abus. En effet, les personnes de sang royal et les personnes de haut rang pouvaient être nommées sans respecter les règles définies. Or, le degré de parenté avec la lignée royale n'avait pas été précisé et la définition du haut rang n'était pas précisément déterminée. Par ce biais, les bénéfices purent donc facilement être accordés sans regarder si les bénéficiaires avaient les qualités et les dispositions nécessaires aux fonctions épiscopales, et ce, dans le but unique de faire bénéficier de la faveur royale ceux dont le roi voulait se faire des alliés. Ainsi, le fléau que le Christ déplorait un siècle plus tôt était institutionnalisé et petit à petit, devenir évêque ne fut plus seulement une question de vocation, mais une carrière réservée aux cadets de la noblesse, privant l'Église de princes de l'Église choisis pour leurs vertus. Cela était vrai en France, mais aussi en Italie, où les familles puissantes des royaumes italiens se disputaient, nous l'avons vu, les sièges à la curie. Malheureusement, ces personnages nommés auraient sans doute choisi une toute autre voie si le choix leur en avait été laissé. Contraints par leur état à pratiquer une chasteté qu'ils n'avaient pas choisie, le démon avait beau jeu de les tenter et la pureté de leurs mœurs laissa souvent à désirer. Ce qui éloignait d'eux le Saint-Esprit et ses lumières et rapprochait d'eux les cohortes d'Asmodée, toujours prêtes à infiltrer le clergé pour détruire l'Église. Ainsi, à la fin de l'Église de Thyatire, l'orgueil des princes séculiers leur avait fait minimiser l'importance du pape et plus encore le rôle des princes de l'Église, mais les papes eurent la faiblesse de les laisser faire. Les séculiers prétendirent désigner des hommes d'Église et se crurent aptes à distribuer les charges épiscopales. Alors que cela ne relevait pas de leur juridiction, ils ont les laissa faire. Ces chrétiens avaient-ils oublié que les évêques sont les successeurs des apôtres, que c'est le Christ qui nomma ses apôtres, et que son choix s'était porté sur les hommes humbles, et qu'enfin, le divin Messie ordonna à ces hommes de choisir à leur tour des catholiques aptes à recevoir la plénitude de l'ordre, qu'ils avaient le devoir de leur transmettre pour que ces hommes puissent à leur tour faire de même pour que vive l'Église.
Le système de dérogation était une perversion sans nom. Le choix des hommes d'Église ne peut en rien découler d'ambitions et de calculs politiques terre à terre. Cette dérive pervertit l'épiscopat en donnant au roi l'ascendant sur ses évêques, qui leur devaient tout. Elle atténua fortement ce contre-pouvoir moral qui devait aider les rois à rester dans le droit chemin, quand dans le même temps, le contre-pouvoir naturel de la noblesse se voyait lui aussi de plus en plus diminué. Pour aggraver la situation, le début du cinquième âge de l'Église correspondit à une époque où les richesses des pays lointains, récemment découverts, rendaient tout possible. Le monde s'agrandissait et offrait de nouvelles perspectives. L'aventure excitait les imaginations et les ambitions. Ce nouveau monde ouvrait des perspectives aux cadets de la noblesse qui espéraient faire fortune à la pointe de l'épée dans les lointaines colonies. Ainsi, l'épée, l'arme des chevaliers en forme de croix, avec son double tranchant, servirait désormais à s'enrichir, quand jadis, elle servait à frapper le riche, opprimant le pauvre, et à punir le fort, persécutant le faible. Le noble idéal des chevaliers était bel et bien enterré. Et quoi de plus normal, avec l'ascension et la multiplication de la noblesse de robe? Les nations chrétiennes firent du monde un terrain de bataille. Mais pas au nom de la foi, elles le firent au nom de l'argent. Pour avoir toujours plus de richesses, il fallait dominer le monde. Dès que l'or du nouveau monde commença à inonder l'Europe, les hommes épris d'aventure commencèrent à remettre en cause l'ordre établi, la morale chrétienne gênant leurs ambitions, ce qui, dans bien des cas, se traduisit par la recherche d'échappatoires intellectuels, errances vaines qui conduisirent aux hérésies modernes et aux idéologies les plus insanes.